Vous êtes sur RTL. Le temps, Louis, bon, pour partir en vacances, là, il faut la doudoune là, ce matin. Hein. Ah, exactement, il faut la doudoune. Bonjour à tous. Parce que certes, on retrouve un ciel beaucoup plus dégagé aujourd'hui. On va le retrouver notamment cet après-midi. Mais tout ça avec des températures en nette baisse. Attention, ça pique déjà ce matin. On n'est pas très loin des gelées. On a 3 degrés à Romorantin, 4 degrés à Alençon, par exemple, 5 degrés à Beauvais, au Mans, ou encore 6 degrés à Angers. Bref, on est presque partout, sauf en bord de mer et surtout près de la Méditerranée, en dessous de 10 degrés. Si je continue avec les températures cet après-midi, on va aller du simple au double. On aura 15 degrés à Lille et 30 degrés à Bastia. Entre les deux, 16 degrés à Brest, à Reims, à Strasbourg, 17 degrés à Dijon, à Paris, à Clermont-Ferrand, 19 degrés à Lyon, 21 degrés à Bordeaux et à Toulouse et 24 à Marseille. Donc des températures beaucoup plus fraîches que ces derniers jours. Mais la compensation, c'est que petit à petit, on va retrouver beaucoup de soleil, même s'il y a quelques nuages ce matin près des Pyrénées, dans le nord-est. Cet après-midi, le soleil s'imposera partout. Il n'y aura plus de précipitations, sauf très localement en montagne. Et attention au Mistral qui va se lever dans la vallée du Rhône et qui pourra frôler les 100 km/h cet après-midi. Merci Louis.